Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, c'est gratuit, il suffit juste d'avoir un compte YouTube et de cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner. N'hésite pas également à activer la cloche des notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc qu'est-ce qu'on propose cette semaine comme recette? On va proposer des petites recettes du petit déjeuner. Donc qu'est-ce qu'Anna nous a préparé pour le petit déjeuner? Qu'est-ce qu'elle a bien mangé ce matin? La purée de noisette, oui. Et tu la mets sur quoi la purée de noisette? Tu l'étales. Tu l'étales, oui, tu l'étales sur quoi? Le bateau. Sur quoi? Les bateaux. Les bateaux? Oui. D'accord. Sur les pancakes aussi, non? Oui. Voilà, donc il y aura la recette des pancakes. C'est un très bon petit déjeuner. Déjeuner? Ben oui. Donc on T'es sûr? se retrouve en cuisine. Hein? Tu dis on se retrouve en cuisine? Voilà, maintenant on fait les pancakes ce matin? Oui. Oui. Bon, on pèle la banane? Oui. Allez. On peut pas enlever. Tu peux pas enlever la peau? Tu veux qu'on m'attelle un petit peu? Gorligi. Oh oui. Gorligi. C'est dur. Oui, c'est dur. Tu l'enlever là-bas. Ouais. Tu sais que tu peux le poser à côté, on mettra dans le compost tout à l'heure, mon chat. Voilà. Mais dedans? On met dedans. Mais attends la peau là. Ah, oui, c'est de la peau là. Tu sais que tu peux poser juste à côté, mon chien. Tac. Ouais. Tu écrases la banane? Si c'est trop dur, maman t'aidera du chat. C'est moi, Billy? Ok, j'arrive. C'est trop dur? Ok, je vais t'aider. Bon, alors ça y est, la banane est écrasée. Maman l'a fait. Les œufs. Maintenant, on peut faire les œufs. Ouais. Tu casses les œufs, Bichette? Maman te tient le plat. Tu vas cacher? Tic, et d'un. Pose-le à côté, ouais. On va le mettre après. Hop. Tic. Super. Voilà, c'est pas grave, Bichette. Passe ta coquille déjà. Maman te laisse mélanger. Ah, la serviette, elle est belle. La serviette, elle est là. Oh, c'est ça, Lalo. Papa, mon bébé, tu gardes? Je crois que vu ce qui reste. Ouais, vu ce qui reste, tu peux tout mettre, je crois. Ouais, mais oui, il faut vider comme tu veux. Vas-y, je te laisserai mélanger, mon petit chat. Tout? C'est tout? Je pense que tu peux tout vider aussi, il n'y en a pas. Bah oui. Oh, quoique, ça fait peut-être beaucoup encore. Non, 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 ça va être bon, Bichette. Allez, une petite dernière là. Voilà. Rajoute un petit peu d'huile de coco. Hop. Donc après, ouais. On met l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà, donc la recette, ça fait à peu près une dizaine de pancakes. Donc là, il y en a 9, 9, 10. Et donc, en fonction du nombre que vous êtes, n'hésitez pas à multiplier. Ben, laisse mon petit chat. Multiplier les quantités. Voilà, donc après, vous pouvez aller manger nature, c'est très bon comme ça. Après, vous pouvez mettre un petit peu de purée d'oléagineux, du coulis de fruits ou du miel. Voilà, à vos goûts. On peut mettre de la cannelle aussi, c'est très bon la cannelle. Nous, nos préférés, c'est cannelle et purée de noisettes. Voilà, j'espère que ces recettes vous ont plu. Chez nous, c'est un petit classe, c'est les petits déj qu'on prend le plus, les pancakes, le granola. Et puis, on fait aussi du souvent, enfin, c'est surtout pour la plus grande qui aime bien le pain perdu. Et puis, voilà. Donc, n'hésitez pas à tester les recettes, dites-moi ce que vous en pensez.
Et puis là, ça va être la bonne occasion pour pouvoir avoir du temps pour cuisiner avec vos loulous. Voilà. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tu dis au revoir? Allez. Au revoir. Au revoir, mais je suis en train de filmer. On verra après. D'accord? Tu fais cheese? Allez, c'est pas une photo, mon chat, c'est une vidéo. Tiens, tu pèles la banane, mon petit chat? Comme ça, faut enlever la peau.